Hey yo, t'as l'air bien ennuyé. T'as contrôle demain? Revois tes cours avec Rap and Class. Révise avec Move. La guerre froide, c'est Star Wars et Game of Thrones. Mélange du Seigneur des Anneaux et de la guerre des clones. Sauf qu'il n'y a pas de conflit direct entre les Russes et les States. C'est la guerre des nerfs entre deux blocs, la prise de tête. C'est l'URSS contre les États-Unis. Après la Deuxième Guerre mondiale, on crée les Nations Unies. Le 26 juin 45, quand l'ONU est fondée, toutes les nations sont rassemblées pour que soit maintenue la paix. Truman et Jdanov se clashent comme dans le rap et ses trash. Les Amerlocs veulent du cash, la démocratie libérale. Le capitalisme est au max, le profit de la balle. Tout le monde veut être un boss et glorifie le cash. À l'Est, l'Union soviétique a d'autres principes. Ils veulent un autre système et ils critiquent l'Amérique. Personne n'est au-dessus des autres, comme diront les communistes, une nation faite de travailleurs où la richesse est publique. C'est la guerre froide, on flippe que le monde explose. Les blocs de l'Est et l'Ouest surtout s'opposent. La guerre froide, faut surtout pas que ça explose. Chacun a sa théorie pour que le monde soit meilleur. De 50 à 53 pour le monde entier, c'est chaud. Entre les blocs, la tension est à couper au couteau. Quand éclate la guerre de Corée entre le Nord et le Sud, la planète vit dans le stress et dans l'incertitude. 1961, retiens bien cette date. On a bâti le mur de Berlin pour ne pas que ça éclate. La RFA est sous tutelle du bloc occidental, sous le contrôle des USA, la partie ouest de l'Allemagne. La RDA sous contrôle de l'URSS. Et si tu veux quitter l'Est, prends bien garde à tes fesses. Chacun fait sa propagande, veut agrandir sa bande. Tous courent après les armes nucléaires pour imposer son gang. Oh oh. En 1962, la crise des missiles à Cuba ramène Castro dans le jeu. Hein? Damn, les dés sont jetés. Si Khrouchtchev vient à briser le blocus des States, Kennedy tremble, Khrouchtchev tremble, le monde entier tremble à deux doigts de la bombe. Kennedy tremble, Khrouchtchev tremble, le monde entier tremble. Yeah, c'est la guerre froide, on flippe que le monde explose. Les blocs de l'Est et l'Ouest surtout s'opposent. La guerre froide, faut surtout pas que ça explose. Chacun a sa théorie pour que le monde soit meilleur. Même s'il met la pression, Khrouchtchev fait demi-tour. Kennedy retire les missiles de Turquie, c'est lourd. Y'a 7-8 ans de détente, mais on s'affronte surtout. Même sur la conquête de l'espace, et ça coûte des sous. Entre Washington et Moscou, on se prend moins la tête. Mais à la fin des années 70, reprend la compète. En 85, Gorbatchev veut relâcher la pression. C'est la glasnost et ça fout vraiment le boxon. Y'a plus de démocratie mais y'a bien moins de thunes. L'URSS se désarme, laisse s'embraser sa lune. 9 novembre 89, le mur de Berlin s'effondre. Le bloc soviétique se délite mais se réchauffe le monde. C'est la guerre froide, on flippe que le monde explose. Les blocs de l'Est et l'Ouest surtout s'opposent. La guerre froide, faut surtout pas que ça explose. Chacun a sa théorie pour que le monde soit meilleur. T'as plus qu'à mettre ta leçon en boucle maintenant. Et on dit quoi ?